Je suis Petit Bamba. La Côte d'Ivoire me connaît comme la mascotte de la SEC Mimosa et des éléphants. J'ai donné 23 ans de ma vie à ma passion. Me peindre aux couleurs de mes équipes du cœur. Et pour cela, j'ai parcouru de nombreuses distances et j'ai été dans de nombreux stades. Mais aujourd'hui, je décide de tout arrêter. L'eau renferme de grands trésors de ce monde. C'est dans cette eau que j'ai décidé de me débarrasser de toute ma création qui m'a servi pour mes figures artistiques dans les stades. Je me débarrasse de tout. Oui, oui, de tout. Tout ce que vous voyez, c'est le fruit de ma création. Avec le peu d'argent que j'ai acheté de la peinture, des contreplaqués, des tissus et bien d'autres choses pour mes créations. Je suis celui qui est venu après les joyeux lurons qui ont donné du plaisir aux supporters du Stade d'Abidjan, de l'Africa Sport National, de la SEC Mimosa et des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis l'héritier national des ambianceurs de stade. En 23 ans d'exercice, la Côte d'Ivoire a participé à 11 Coupes d'Afrique des Nations et 3 Coupes du Monde. Je vous passe les matchs éliminatoires qui ont débouché sur ces compétitions. La Côte d'Ivoire a aussi remporté des Coupes d'Afrique en club avec la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Pour cela, de nombreuses personnes ont été décorées. Mais moi, qui ai été reconnu meilleur supporter dans plusieurs stades du monde, jamais dans l'ordre du mérite sportif, jamais dans l'ordre du mérite national. Jamais aussi, je n'ai été appuyé financièrement pour réaliser une activité pour me prendre en charge, alors que cette passion a pris tout mon temps. J'ai vu passer de nombreuses générations de footballeurs ivoiriens et de présidents de la Fédération Ivoirienne de Football. Ils ont bien réussi leur vie, eux. Mais aujourd'hui, moi, je suis sans argent et sans activité. Les gens ne me respectent pas, à commencer par ma propre famille. J'ai donc décidé de tout stopper et de partir faire autre chose. J'en suis arrivé à la conclusion que la Côte d'Ivoire
n'a Dieu que pour ses fils qui sont sur le terrain et qui réussissent, pas pour ceux qui sont en dehors, malgré tout ce que ces derniers font. Je pars, mais quelque chose me retient encore. Je suis encore dans les couleurs orange, blanc et vert. Je retourne à l'eau, prendre un bain, pour enlever sur moi ces couleurs et couper définitivement tout lien avec cette activité liée au football que je laisse tomber aujourd'hui. Une nouvelle vie commence pour moi. Au revoir et à bientôt.